Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une pêche du bar du bord dans les Côtes d'Armor. On a eu un début de saison qui a été assez prolifique pour le coup. On a vu pas mal de poissons qui étaient assez axés sur les bordures. Et là en plus, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a eu des grosses rentrées de lançons sur la zone. Donc ce qui va un peu orienter notre pêche sur le Crazy Paddle Tail en ce moment. Et en plus, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une eau qui est assez claire. D'ailleurs, ça va être un handicap, je pense. Il va falloir pêcher léger. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va pêcher avec des leurres assez transparents. Donc je pense notamment au Ghost Minnow, qui je vais retrouver ici, ou alors encore avec de l'Electric Blue. On verra bien suivant l'activité. Et globalement, voilà, on va être sur des formes type lançon et avec un paddle pour pêcher lentement en linéaire. Ce qu'on va faire ici, on a une zone on a une belle veine de jus juste devant nous, donc on va chercher à pêcher entre la veine de jus et justement cette zone qui est un peu plus shallow, donc où il y a moins de fond et donc c'est du sable. Et généralement on a des lançons qui se calent à cet endroit là, donc on essaie de lancer le plus loin possible, on attend que le leurre touche le fond. Par contre on reste bien tendu hein, parce qu'on a souvent beaucoup de touches à la descente. C'est tout l'intérêt en fait du crazy paddle et du paddle inversé. Et ensuite, voilà, là, je suis au fond et je vais partir sur un linéaire. Donc là, je gratte un petit peu et voilà, je suis sur un linéaire tout simplement proche du fond. Ensuite, si on voit qu'on n'a pas beaucoup de touches, on va pouvoir changer d'animation. On va pouvoir être sur, par exemple, une pêche en traction, une pêche avec quelques petits twitch. Ça dépend, on va chercher. Pour le moment, on va partir voilà, sur une pêche en linéaire. Ce sera suffisamment efficace. On reste sur le principe du power fishing, c'est-à-dire pêcher rapidement pour trouver l'activité. Et après, c'est justement ce qu'on va chercher à trouver aujourd'hui. Pendu, ah raté. Pendu, c'est beau. Bon, il va venir vers moi, il va faire son cirque, par contre il va faire attention aux roches de départ. Ça a vraiment un beau poisson. Ça fait un bon 50. Bien mon Didge, t'as vu? Regarde, t'as vu là? Ah, il est beau sur elle. Tu vois, joli poisson. Joli poisson dans les 50 cm à peu près. Bon, c'est pas un monstre, mais ça reste un beau poisson du bord. Et tu vois, on l'a senti hein, à la descente, tu vois. On l'a lancé le Crazy Paddle là. Et on a senti une bonne touche à la descente. Et il a raté une première fois. Et du coup, après, en relaissant descendre, eh ben, le poisson il a bien repris. Quoi. Donc, ouais, je suis content, tu vois. Début de matinée. Premier poisson qu'on touche, premier lancer vraiment au Crazy Paddle où bah, pour le coup on commence à avoir des différences tu vois. Donc je pense qu'on va continuer et puis on va vite le remettre à l'eau. Donc on est, voilà, l'eau est très claire, hein. Nous on a 5 mètres d'eau là, on voit comme si c'était un aquarium quoi. Donc là moi je suis avec un Crazy Paddle 120, petite taille. Puis celui-là c'est le petit Ghost Minnow et en 15 grammes du bord c'est vraiment ce qui va bien, c'est des tailles qui correspondent bien. On va le remettre à l'eau. Et voilà. Allez, bye bye, ami. C'est beau. Ouais, c'est beau. Ouais, ça maille. Pas monstrueux, mais ça maille. Donc tu vois, j'étais en train de lancer. Et comme on voit depuis tout à l'heure, en fait, les poissons, ils prennent vraiment bien sur la descente. Du coup, pareil, beau lancer, bon contrôle de la descente. J'ai touché le fond, une traction. De nouveau en contrôle de la descente et c'est là qu'il l'a pris. Et tu vois la qualité de la touche et l'avantage vraiment du Crazy Paddle et surtout le. Tu vois, ils sont souvent piqués sur le côté quoi. Et du coup, on a des poissons qu'on peut libérer facilement.
c'est mal piqué. Joli poisson, hein. Joli bar. Il est pas prêt, faut quand c'est comme ça, faut les laisser les poissons. Ils vont venir, au bout d'un moment, ils vont venir. C'est un joli poisson. Franchement, là on commence à être sur vraiment des beaux bars là de 50. C'est un petit 55. Donc voilà, on est. Là c'est bien. Là. Donc là tu vois, franchement, ça c'est des beaux poissons et c'est ce pourquoi on s'est levé ce matin. Ça a été très dur aujourd'hui. Mais encore une fois, tu vois, en insistant en Crazy Paddle, l'avantage c'est que à la descente, et là encore une fois, j'ai pris une petite touche à la descente, et après en linéaire, bah, tu vois, c'est pendu. Grosse sanction par contre sur le combat.